Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire voir tous les boss, tous les armes mystiques et tous les coffres forts de la saison 3, chapitre 3 du jeu Fortnite. Allez, let's go! Donc les amis, pour commencer, on va aller à la bombache. Donc pour être tranquille les amis, je suis dans une partie perso, comme si je lançais une pépée. C'est juste pour être tranquille, juste pour que je vous montre bien où sont les boss, où sont les coffres, où sont les armes mystiques pour pas être embêté par le monde. Voilà, donc on va se diriger exactement ici, à la bombache. C'est le premier boss. Donc nous voici au premier boss les amis, comme vous pouvez le voir. C'est le boss câlin. D'accord, on va prendre une arme. Voilà. Et on va voir qu'est-ce qu'il va nous donner. Par contre, faut être prudent, les amis, parce qu'il peut être difficile à abattre. Faut vraiment pas hésiter à le bombarder. Voilà. Voilà. Donc, une fois éliminé le câlin, les amis, on va aller tout en bas. Donc, une fois qu'on est en bas, les amis, le boss se trouve exactement ici. Regardez. Donc, lui, pareil, hein, les amis, il est un peu dur à aussi. Faut s'en méfier, hein, les amis. Vraiment. Faut pas hésiter à le mitrailler, voilà. Peut être difficile. Mais si on fait très attention, les amis, on est bon. Et comme vous pouvez les voir, les amis, il laisse tomber deux éléments. Regardez, deux armes. Voilà. Une fois qu'on l'a fait, les amis, on va se diriger vers le coffre mythique. Donc, une fois qu'on l'a tué, les amis, on va aller se diriger par là. Regardez, on passe sur le tunnel. Là, il faut être deux. Dans le coffre mythique, vous trouverez différentes armes, des armes mythiques. Voilà. Ça, c'était le premier coffre et les premiers boss. Allez, on va passer au suivant. Donc, le boss suivant, les amis, il se trouve à Cornet. Juste ici, les amis. Regardez, vous voyez le restaurant là? Là-bas? Regardez, juste là, en face de nous. Donc, faites attention, les amis. Hein. Dans la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui spamment ici, les amis. Donc faites très attention. Très très attention, les amis. Allez, une fois, on va le tuer. Faites gaffe, il est un peu coriace, les amis. Hein. Faut spammer, voilà. Lui, il nous donne deux armes. Il nous donne un fusil d'assaut et un pistolet, les amis. Voilà pour le boss à Cornet. Allez, on va passer au boss suivant. Donc le boss suivant, les amis, nous amène. Juste au-dessus de Delhi. Voilà, juste au-dessus de Delhi, chez les Artecs, les amis. Il se trouve exactement en face de moi, regardez. Donc lui, il faut faire attention, les amis, et il faut faire très attention, parce que y a beaucoup de monde qui spam ici aussi, j'avais déjà remarqué. Donc faites très attention, les amis. Voilà, le boss suivant. Allez, elle est pas facile à détruire aussi, hein, celle-là. Ouais. Faut vraiment spammer, jusqu'à temps qu'elle meure. Et elle va nous donner des jolies armes, les amis. Voilà, elle nous donne un tracker et un petit arme. Donc, on va passer au boss suivant, les amis. Donc, le prochain boss, les amis, nous amène à Shifty. Juste un petit peu au-dessus de Shifty. Vous voyez le chemin là? Vous continuez et il est là-bas, le boss. Voilà. Bon, il est un peu en colère. Hein. Il est exactement ici, les amis, le prochain boss. Voilà. Donc c'est facile hein, les amis, elle est facile. Voilà. Elle va pas me faire chier le monde. Donc voilà, qu'est-ce qu'on en tient les amis? Un fusil à pompe et un pistolet à poing. Et si on se déplace un petit peu sur le chemin où qu'on a abattu le boss, et il suffit de monter un petit peu sur la montagne et on peut voir la petite pierre. Ça peut être un joli pied, un joli piège pour les gens en bas. Oui, c'est vraiment impressionnant, les amis. Allez, on va passer au boss suivant. Donc, les amis, le dernier boss se trouve à Sleepy, exactement au restaurant. Donc, faites attention, parce qu'il est... Il spam. Mais je vous donne... Voilà. Et lui, le boss là, nous donne une simple pistolet mitraillette en bleu et un tracker en bleu. Donc maintenant que je vous ai fait voir les boss les amis de la nouvelle saison, chapitre 3, saison 3, je vais vous faire voir les nouvelles armes. Donc on commence avec le sniper lourd, une fois modifié les amis, voilà, vous voyez qu'il fait beaucoup de dégâts, 138 de dégâts,
Franchement, c'est pas mal. C'est le meilleur sniper qu'on peut trouver actuellement sur la nouvelle saison. Le deuxième arme qu'on peut trouver, les amis, c'est le DMR. C'est un petit sniper aussi. Vraiment léger. Les dommages, 58 dommages. Bon, il est pas très fort, mais il est pas mal. Hein. Il est pas mal. Le troisième arme qu'on peut trouver aussi, c'est le Hammer. Franchement, il est pas mal. Franchement, j'aime bien. Celui-là, j'aime bien. Le dommage 35 de dégâts, c'est pas mal, mais j'aime bien, c'est que il fait en rafale. Franchement, ça, j'aime bien. L'arme-là, j'aime bien. Donc, voilà, les amis, cette vidéo va se terminer. Franchement, j'espère que c'est une vidéo qui vous aidera sur le jeu Fortnite chapitre 3, saison 3. Nous, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo ou un prochain live. Ciao, ciao, bye bye, et bisous. Bisous, les amis. Et merci encore pour ce soutien. Et n'oublie pas, les amis, mon code créateur, JT80. Ça me ferait vraiment plaisir et ça aide vraiment la chaîne. Merci à tous ceux qui le mettront. Merci beaucoup. Allez, ciao, ciao, bye bye!